Johnny Quadio, cadre et fils de la commune de Yopougon, a invité les Ivoiriens dans leur ensemble à accompagner le président Alassane Ouattara dans sa politique visant à lutte contre la cherté de la vie. Johnny Quadio a saisi l'occasion d'une cérémonie de remise de kits Pakinou aux populations de certains quartiers de Yopougon, la semaine dernière pour lancer un message aux Ivoiriens. Un appel aux Ivoiriens pour ce cadre et fils de Yopougon engagé depuis quelques années dans les actions d'autonomisation des jeunes et des femmes, tout cadre ivoirien, à quelque niveau qu'il soit, devrait pouvoir accompagner le chef de l'État et le gouvernement à lutter contre cette situation. Nous sommes de ceux qui pensent que ça ne sert à rien d'avoir des immeubles et d'être incapable de pouvoir aider des personnes à côté de soi, fils de Yopougon et cadre de la nation, nous avons estimé important d'accompagner le président de la République dans ses actions. Le président, lui, est pleinement actif sur le volet développement et au regard de la cherté de la vie, nous pensons qu'en tant que cadre qu'il ne faut pas seulement penser à soi, mais assister nos concitoyens. Nous sommes de ceux qui pensent que ça ne sert à rien d'avoir des immeubles et d'être incapable de pouvoir aider des personnes à côté de soi qui parfois n'ont pas le strict minimum, a-t-il fait savoir. Lire aussi lutte contre la vie chère / plafonnement des prix de produits, ce qui a été dit au gérant de boutique de Mauritanien, c'est ce qui justifie nos actions de soutien, avec peu de moyens, à l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le pays nous a tant donné et il est bon que nous lui renvoyions l'ascenseur. Il est temps que chaque cadre, à quelque niveau social que ce soit, participe à la lutte contre la cherté de la vie, a expliqué Monsieur Quadio. La question de la cherté de la vie observée en Côte d'Ivoire, faut-il le souligner, est préoccupante et diversement appréciée quoique cette conjoncture touche tous les pays du monde.